Lorsqu'il s'agit de la Russie, il faut rappeler un certain nombre de principes. La Russie, d'après notre analyse, d'après notre conviction, a violé les droits internationaux en annectant la Crimée, en faisant ce que la Russie a fait en Ukraine de l'Est. C'est le principe. À part ça, il y a évidemment de bonnes raisons pour renouer sur d'autres plans, sauf les deux que je viens de mentionner, avec la Russie, ce dont il faudra que nous en parlions, ce que nous ne faisons pas seulement depuis hier, mais que nous le faisons depuis plusieurs années. Je m'avais rendu moi-même au Forum économique de Saint-Pétersbourg l'année passée. Il n'est donc pas vrai que nous ne serions pas avec la Russie dans une atmosphère de dialogue. Nous le sommes, mais pour ce qui est du principe, nous rejetons la façon agressive de faire de la Russie. Pour le reste, le président Trump ne me surprendra plus jamais.